Bienvenue à tous et à toutes à ce journal. La population du Sud Kivu continue à être sensibilisée pour voter le candidat du Front commun pour le Kougo, Emmanuel Ramazani Shadary. Dans l'axe Uvira Fizi, le coordonnateur du FCC, Némi Mwilanya, a rappelé que le Sud Kivu est le berceau du nationalisme que prône le Front commun, dont l'autorité morale Joseph Kabila Kabange a débuté la révolution avec son père dans les montagnes de Fizi. Et puis dans la région de Beni au nord Kivu, 10 civils ont été tués par les rebelles ADF et ont fait irruption tard dans la nuit de lundi 11 à mardi 12 décembre. Outre les morts, 2 autres personnes sont portées disparues et les affrontements se poursuivent entre les rebelles ADF et les forces armées de la RDC. Toujours au nord Kivu, dans le territoire de Beni, le pont Lubiria s'est effondré. Ce pont qui relie l'RDC à l'Ouganda, déjà délabré, a complètement cédé au passage d'un gros véhicule transportant des marchandises en provenance de Kampala. Alors que, vu son état, seuls les piétons et les motos pouvaient passer par là. Dans l'axe Uvira-Fizi, Némi Mwilanya Wilonja, coordonnateur national du Front commun pour le Congo, accompagné du gouverneur du Sud Kivu, Claude Diamougabou, ont poursuivi la sensibilisation de la population à voter pour Emmanuel Ramazani Shadary. Le professeur Mwilanya a rappelé que le Sud Kivu est le berceau du nationalisme, d'où la raison d'être du Front commun pour le Congo, qui est un front des patriotes nationalistes. Avant d'insister que le régime Kabila tire ses origines dans les montagnes de Fizi et à Eaboura. La population du Sud Kivu, c'est une population qui est foncièrement nationaliste. C'est donc une base naturelle du Front commun pour le Congo. Son autorité morale est née là-bas. Son autorité morale avec un de nos héros nationaux, Mzé Laurent Désiré Kabila. Donc, et Joseph Kabila et Mzé Laurent Désiré ont commencé la révolution ici, dans la province du Sud Kivu. C'est cette révolution qui a entraîné des milliers de jeunes jusqu'à pied, jusqu'à Kinshasa. Et aujourd'hui, le Front commun a pour obligation morale de pouvoir sauvegarder cette révolution et l'amener à atteindre tous ses objectifs. C'est quoi? La consolidation de la souveraineté nationale, la protection de l'intégrité territoriale du pays, l'indépendance nationale, mais également reconstruire, rebâtir ce pays, lui donner sa grandeur, comme l'engagement qui a été pris par nos pères de l'indépendance dans l'hymne national. Au cours d'un meeting, le directeur du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a transmis un message d'espoir à la population de la part du candidat président numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadary. On a kuja kufanya campagne ya candidat wetu numéro 13, kwa kuwa yeye ataendelea kazi yenye mheshimiwa ameacha. Na tunaomba mupige mikono tena. Basi asante sana. Le coordonnateur du FCC, Némi Mwilanya, a pendant son parcours salué l'aboutissement du dragage du port du Sud Kivu sur instruction du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, qui d'ailleurs facilite le trafic entre la RDC, le Burundi, la Tanzanie et même la Zambie. D'où un nouvel appel à la population du Sud Kivu de voter pour le 13 Emmanuel Ramazani Shadary, candidat de la poursuite de l'émergence entamée par Joseph Kabila Kabange. Les informations en provenance de Lubumbashi où a atterri mardi 11 décembre, l'avion du candidat de la coalition Lamuka à la magistrature suprême font état des incidents dont a été victime Martin Fayoulou et qui serait selon son équipe touché par de gaz lacrymogènes et dans un état pas très bon. Selon des sources louchoises, la police, à l'aide de camions anti-émeutes et de gaz lacrymogènes, a dispersé le militant de Lamuka mobilisé pour accueillir leur candidat. La police, quant à elle, a affirmé être intervenue pour rétablir de l'ordre, car poursuit la PNC, le militant de la dite coalition avait commencé par incendier le véhicule de particuliers avant de leur lancer des projectiles. Les challengeurs de Martin Fayoulou à la présidentielle ont réagi à tour de rôle pour condamner la violence en période de campagne. La dernière réaction est celle du candidat du FCC, Ramazani Shadary, qui, par le biais de son porte-parole, Maître Aimé Kilolo, a condamné toute forme de violence, exclusion et intolérance pendant la propagande pour le scrutin du 23 décembre.
23 décembre imminent. Que tous les candidats aient la liberté de battre campagne, c'est le vœu du dauphin de Joseph Kabila exprimé par son porte-parole. Maître Kilolo a également fait savoir que le candidat numéro 13 à l'élection présidentielle s'insurge contre toute forme d'instrumentalisation, de victimisation ou toute tentative de délégitimer le processus électoral en cours par des scénarios qui ne correspondraient pas avec la réalité. Emmanuel Ramazani Shadary reste solidement attaché au principe de l'état de droit et de la démocratie, a rappelé son porte-parole. À quelques jours de la tenue des élections en République démocratique du Congo, l'on note plusieurs désistements de la part de certains candidats à la présidentielle de la République. Dans un communiqué publié le mardi 11 décembre 2018 à Kinshasa, Sylvain Maurice Macheke Ngirakwei, candidat à la présidentielle du 23 décembre courant, a annoncé son désistement en faveur du candidat commun d'une partie de l'opposition, Martin Fayulu. Il justifie sa décision par la nécessité de fédérer les forces acquises au changement en vue d'optimiser les changements, de gagner ensemble la présidentielle de ce mois de décembre. Ainsi, il appelle sa base électorale, particulièrement le chrétien, à soutenir et à voter massivement pour le candidat numéro 4, Martin Fayulu Madidi. Le communiqué renseigne aussi que Sylvain Maurice Macheke s'engage désormais à participer activement à la campagne du candidat de la coalition Lamuka désigné à Genève. Rappelons que Sylvain Maurice Macheke a été, après le dialogue de la Cité de l'Union africaine et son accord signé le 18 octobre 2016, investi ministre de la Culture et Arts de la République démocratique du Congo au sein du gouvernement Badibanga. Après Kisangani, les deux leaders de la coalition CASH, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ont atterri ce mercredi 12 décembre 2018 à Beni, dans la province du Nord Kivu. Malheureusement, les choses n'ont pas bien tourné pour ces deux complices, habitués à être applaudis par des grandes foules. À Beni, au contraire, c'est un jeu de pierre qui les attendait. Les habitants de Beni ont rejeté leurs nouveaux visiteurs avec une telle violence. Déjà, il y avait lieu de dire qu'ils n'étaient pas le bienvenu dans cette ville du Nord Kivu, car à leur arrivée, l'on pouvait compter le quelques personnes venues les accueillir au bas de la passerelle. C'est au niveau du rond-point du 30 juin que les choses ont tourné au vinaigre. Ils ont reçu de pierres de cette population qui chantait sans arrêt la gloire de Martin Fayulu. L'on se rappellera que le candidat de la coalition Lamuka avait lancé sa campagne par la ville de Beni. Petits, jeunes et vieux, tous étaient dans les rues pour l'accueillir et lui témoigner leur soutien. L'opposition avance en ordre dispersé et le comportement de militants de chacune de coalitions, Lamuka ou CASH, prouve que les opposants ignorent le secret de l'union fait la force. Chaque candidat se permet de tirer le drap de son côté. Cette façon de faire donne beaucoup de chance à Emmanuel Ramazani Shadary de remporter les élections, car lui avance en toute conscience et en unité avec ses pairs. Partout où il passe, il ramasse succès. L'opposition devrait choisir de combattre d'abord le bon combat, celui de s'aimer et de se soutenir, avant de s'élancer à battre Ramazani Shadary à la présidentielle 2018. Des civils ont été tués dans la nuit du lundi 11 à mardi 12 décembre dans la région de Beni au Nord Kivu. Cette nouvelle attaque est attribuée aux rebelles de forces démocratiques et alliées ADF. Selon les sources locales, les présumés auteurs de ces massacres ont fait irruption tard dans la nuit et ont pillé et emporté des animaux de la basse-cour. Outre le mort, deux autres personnes sont portées disparues, tandis que les affrontements se poursuivent entre ADF et FRDC. Troublé par cet incident, l'administrateur du territoire de Beni a déploré la mort des civils en proie à une barbarie interminable et aveugle. Les rebelles ougandais et musulmans ADF sont accusés de plusieurs exactions à l'est de la RDC. Ils sont aussi tenus responsables de la mort de casques bleus malawites et tanzaniens tués en 2017. Et c'est depuis octobre 2014 que la région de Beni est le théâtre de massacres attribués aux ADF qui ont fait plusieurs centaines de morts en déant en continu les communautés désemparées.
Situé à Kassindi, dans le territoire de Beni au nord Kivu, le pont Lubiria reliant la République démocratique du Congo à l'Ouganda s'est effondré le samedi 8 décembre 2018. Selon les autorités locales qui se sont rendues sur le lieu pour constater le dégât causé par le camion à l'origine de cet écroulement, le pont a cédé au passage d'un gros véhicule qui transportait de marchandises. Mais ces ponts étaient déjà dans l'état de délabrement avancé. Ce véhicule revenait de Kampala, la capitale ougandaise. L'administrateur du territoire de Beni dit avoir fait appel aux agents de l'office de route pour qu'ils viennent faire le constat. Le pont n'était plus praticable pour le véhicule. Seul le moto et le piéton en faisaient usage depuis un certain temps. Tout le véhicule était bloqué de part et d'autre de la frontière. L'écroulement de ces ponts est une véritable catastrophe pour les acteurs économiques locaux et la population de cette région. Il se signale que c'est par cette voie que traversent toutes les marchandises en provenance de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie pour atteindre Beni, Butembo ainsi que Kisangani. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. La population du Sud Kivu continue à être sensibilisée pour voter le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadary. Dans l'axe Ouvira-Fizi, le coordonnateur du FCC, Némi Mulania, a rappelé que le Sud Kivu est le berceau du nationalisme que prône le Front commun, dont l'autorité morale Joseph Kabila Kabange a débuté la révolution avec son père dans les montagnes de Fizi. Et puis dans la région de Beni au nord Kivu, 10 civils ont été tués par les rebelles ADF et ont fait éruption tard dans la nuit de lundi 11 à mardi 12 décembre. Outre les morts, deux autres personnes sont portées disparues et les affrontements se poursuivent entre les rebelles ADF et les forces armées de la RDC. Toujours au nord Kivu, dans le territoire de Beni, le pont Lubiria s'est effondré. Ce pont qui relie l'RDC à l'Ouganda, déjà délabré, a complètement cédé au passage d'un gros véhicule transportant des marchandises en provenance de Kampala. Alors que, vu son état, seuls les piétons et les motos pouvaient passer par là. C'en est fini pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de Journaux Paris en ligne ce mercredi 12 décembre 2018. Commençons avec les sites d'actualité Congo virtuel qui titrent « Révélations sur les événements de dimanche à Kindu ». Des affrontements ont effectivement eu lieu entre militants de la Mouka et du FCC-MCR suite à l'agression de la marche de ce dernier par les premiers, non loin de l'aéroport de Kindu. Heureusement, la police est interposée pour prévenir les pires. Rien ni personne n'a occupé le tarmac de l'aéroport où deux vols ont été opérés l'avant-midi Congo Airways et l'après-midi CAA. Kindu, dimanche 9 décembre 2018, les réseaux sociaux grouillent d'une nouvelle faisant état d'un certain nombre de faits tournant autour de l'arrivée annoncée de Martin Fayulu au chef-lieu du Maniema dans le cadre de sa campagne électorale. Premier fait, un tweet d'Olivier Kamitatou faisant état de la présence de deux hélicoptères et d'un avion de l'armée sur le tarmac de l'aéroport de Kindu pour empêcher l'atterrissage de l'avion transportant Fayulu. Kamitatou avance même que des instructions auraient été données aux autorités aéroportuaires locales pour ce faire, mais n'indique d'où seraient venues ces instructions. Sur le même sujet et dans le même entrefait, un compte Facebook du nom de Jeanne Diomindongala parle de chauffeureux entre des partisans de la Mouka et du FCC. Et soutient que ce sont ce dernier qui aurait occupé le tarmac de l'aéroport dans le même but de bloquer tout atterrissage. Après enquête, congovirtuel.org indique donc que des affrontements ont effectivement eu lieu entre deux factions à Kindu, la Mouka et les FCC-MCR. Ces affrontements ont été éclatés suite à la provocation par la Mouka d'une progression de campagne de FCC-MCR. Il peut aussi être établi qu'en aucun moment le tarmac de l'aéroport n'a été envahi par qui que ce soit de l'un quelconque des deux camps en présence. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « À 11 jours des élections, Corneille Nanga rassure 95% de la logistique électorale déjà en place. Plus rien ne pourra empêcher la tenue des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales le 23 décembre prochain. À 11 jours de vote, 95% de la logistique se trouve déjà à destination » a déclaré hier mardi 11 décembre le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI face à la délégation de la mission d'observation électorale de la SADEC. C'était au cours d'une réunion d'évaluation
conditions du processus électoral tenu à Kinshasa. Pour Kone Inanga, les préparatifs techniques des élections évoluent conformément aux prévisions. Pour y arriver, dit-il, nous avons surmonté plusieurs challenges et défis avec l'accompagnement des parties prenantes au processus électoral. Dans 3 jours, a-t-il indiqué, toutes les cartes de déploiement seront en couleur verte avec la présence de tous les matériels dans les bureaux de vote. Le président de la centrale électorale reste préoccupé par la contrainte sécuritaire et sanitaire. Une nouvelle tuerie à Beni, risque des terrorismes des ADF, Ebola à l'Est, etc. Avant d'évoquer des dispositifs pris par le gouvernement pour assurer la tenue effective des élections sur toute l'étendue du pays. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit « Ebola à Beni, l'UNICEF met en œuvre la prise en charge psychosociale des enfants infectés et affectés par l'épidémie ». L'UNICEF a mis en œuvre la prise en charge psychosociale des enfants infectés et affectés par la maladie à virus Ebola à Beni et ses environs. Les enfants représentent plus d'un tiers des cas d'Ebola dans l'Est de la République démocratique du Congo, relève un communiqué de l'UNICEF publié ce mardi 11 décembre à Kinshasa. L'UNICEF et ses partenaires ont identifié plus de 400 enfants orphelins et non accompagnés à cause du virus Ebola. Le nombre croissant d'enfants séparés est lié à l'augmentation de patients dans le centre de traitement d'Ebola de Beni et Butembo, l'épicentre actuel de la maladie, indique les communiqués de l'UNICEF. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie.